pour que vous compreniez bien ce que nous allons vivre et que nous et que Dieu veut que nous vivions. Permettez-moi de définir les mots qui sont des mots que nous avons déjà entendus et que nous utilisons régulièrement, mais parfois sans en percevoir totalement le sens. Je pense qu'on ne peut pas parler d'extraordinaire si on ne parle pas d'abord d'ordinaire. Et qu'est-ce qui est ordinaire? Les synonymes du mot ordinaire, c'est normal, habituel, banal, courant, fréquent, général, traditionnel, usuel. Donc lorsqu'on dit qu'il y a quelque chose d'ordinaire, c'est quelque chose de fréquent, c'est quelque chose d'habituel, c'est quelque chose d'usuel, c'est quelque chose de général ou de naturel. Lorsqu'on parle d'extraordinaire, on parle de quelque chose qui sort de la règle, qui sort de l'usage ordinaire, quelque chose qui n'est pas courant. Un autre mot pour extraordinaire, c'est exceptionnel, c'est inhabituel. Quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui étonne par sa bizarrerie, par son étrangeté, par son originalité. Je veux vous poser une question ce matin et j'aimerais que vous vous prêtiez au jeu. Qui veut être quelqu'un d'ordinaire? C'est-à-dire que ton désir dans la vie, ton combat de chaque jour, c'est comment rester ordinaire. Comment rester quelqu'un de commun? Comment faire les choses de manière habituelle? Si c'est le cas, lève la main. Je vais poser l'autre question. Si, de toutes les façons, tu es dans ce groupe ou dans l'autre. Si tu ne lèves pas la main, c'est que tu as menti à l'église. Et je pense qu'on ne ment pas à l'église de manière générale. On ment dehors, mais pas à l'église. Ouais, non. D'accord. Qui veut être extraordinaire? C'est-à-dire, qui veut faire des choses extraordinaires? Qui veut avoir un travail extraordinaire, une famille extraordinaire, un foyer extraordinaire, des affaires extraordinaires? D'accord. Merci. Baissez la main. Ça veut dire que la plupart d'entre nous, on est d'accord de ne pas être commun, de ne pas être normaux. On refuse la normalité ou la norme. On n'a pas de problème à être bizarre. Parce que si vous dites que vous voulez être extraordinaire, c'est que vous dites que vous acceptez de paraître bizarre pour les gens ordinaires. C'est que vous acceptez de paraître excentrique pour les gens ordinaires. C'est que vous acceptez de paraître extravagant, pittoresque, remarquable, supérieur, transcendant. D'entrée de jeu, ce que je veux dire à vous tous qui avez levé la main, c'est que être extraordinaire, c'est refuser de faire les choses de manière habituelle. Ça veut dire que vous acceptez qu'aux yeux des gens qui ne veulent pas être extraordinaires, vous soyez pittoresque, vous soyez bizarre, vous soyez excentrique, que vous dérangiez. Ce culte a pour vocation, entre autres, de faire de vous des gens extraordinaires. Ça veut dire que quand moi je suis venu ce matin à ce culte, j'ai assisté aux deux premiers. Et aux deux premiers, il y avait une ambiance, il y avait une atmosphère, il y avait un message. Mais à ce culte-ci, il y a une atmosphère différente. Il y aura un message différent. Parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Le public cible n'est pas le même. Nous voulons nous adresser à de jeunes adultes ambitieux. Des jeunes adultes qui veulent faire un changement ou qui ne veulent pas compter comme des absents. Des jeunes adultes qui refusent que leur présence soit égale à leur absence. Des jeunes adultes qui croient qu'ils sont capables de faire la différence. Des jeunes adultes qui refusent la fatalité. Qui refusent la norme et les choses ordinaires. Un exemple. Ça veut dire que si dans ta famille, personne n'a dépassé une certaine limite, ce n'est pas parce que personne autour de toi ne l'a fait que toi tu dis je ne peux pas le faire. Si tout le monde autour de toi agit d'une certaine manière et que c'est devenu la norme, nous croyons que nous pouvons établir une nouvelle norme. Des gens extraordinaires acceptent d'être des pionniers. Des personnes qui initient un mouvement, qui initient un changement. Oui, nous acceptons
de vivre au milieu de l'ordinaire parce que nous voulons imposer l'extraordinaire. Nous voulons faire un monde de différence. Ce matin, pour respecter le temps qui m'est imparti, j'aimerais vous donner quelques éléments qui, de mon point de vue, peuvent vous aider à devenir des gens extraordinaires. Certains vous considérez l'être déjà et je crois que c'est la vérité. Mais j'aimerais quand même revenir sur certains éléments qui me paraissent cruciaux. Déjà, pour ceux qui prennent des notes, je veux que vous notiez que la seule différence entre les gens extraordinaires et les gens ordinaires, c'est l'extra. La seule différence entre quelque chose d'extraordinaire et quelque chose d'ordinaire, c'est l'extra. Une chose ordinaire peut devenir extraordinaire si elle accepte d'ajouter l'extra. Quelqu'un d'ordinaire peut devenir extraordinaire s'il accepte d'ajouter l'extra. Une relation ordinaire peut devenir extraordinaire si elle accepte d'ajouter l'extra. Une affaire ordinaire peut devenir extraordinaire si dans cette affaire, on accepte d'ajouter l'extra. Donc regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui si tu veux être extraordinaire, tu vas devoir ajouter l'extra. Quand ton voisin ne te parle pas, cherche un voisin qui va te parler. Dis-lui, si tu veux être extraordinaire, il va falloir que tu ajoutes l'extra. Qui veut une vie extraordinaire? C'est-à-dire, tu veux qu'à la fin de ta vie, tu puisses regarder en arrière et que tu dises, waouh, j'ai vécu. Oh, que j'ai vécu. Oh, j'ai aimé ma vie. J'ai aimé ma vie. Quelqu'un qui salue la mort pour dire oui, tu peux venir me prendre parce que j'ai vécu. Ah, je ne veux pas mourir en me disant mince, j'aurais dû. Mince, j'aurais pu. Vous savez, à la fin de votre vie, s'il y a des choses que vous regretterez, c'est de ne pas avoir saisi certaines opportunités, de ne pas avoir fait certaines choses. Je pense qu'il y a très peu de personnes. J'ai une de mes sœurs qui aime les émotions fortes, mais il y a très peu de personnes qui vont sauter d'un avion après avoir sauté de l'avion, parachute ou pas, et qui à la fin de ça, il va dire mince, j'aurais pas dû sauter de l'avion, mince, j'aurais pas dû faire cette chose extraordinaire. Les choses qu'on regrette souvent, c'est de ne pas avoir saisi les opportunités qui nous étaient offertes. Quand je parle d'extra, je veux que vous réalisiez qu'à chaque fois qu'on utilise le mot extra, en fait, on parle de quelque chose qu'on ajoute. C'est un plus. Quelque chose d'extra, hein, c'est quelque chose qui est, c'est la définition que je lis, mais c'est quelque chose qui est en dehors des dépenses courantes. Le bon mot synonyme, c'est un supplément. C'est un supplément. Regarde quelqu'un, dis-lui supplément. C'est extra, c'est un supplément. Vous savez, quand vous allez commander un plat et qu'on vous apporte un peu de ketchup et que vous voulez un supplément de ketchup. Est-ce que je peux avoir Bon, certains d'entre vous, vous mangez régulièrement au KFC. C'est devenu votre second domicile. Je veux que vous notiez. Si vous dites je veux plus de talent. Parce que quand vous regardez à vos vies et à la vie des personnes que vous admirez, que vous considérez extraordinaires, vous allez vous dire que l'extraordinaire, ce qui les rend extraordinaires, my God, qu'elle chante bien. Oh, il fait bien la cuisine ou elle fait bien la cuisine. Waouh, j'aime trop sa façon d'être, sa façon de vivre. Mais, et quand on vous demande, vous vous comparez vous-même d'ailleurs et vous vous dites que ce qui fait la différence entre eux et vous, c'est leur talent, c'est leur capacité, c'est leur argent. Mais je veux que vous compreniez que si vous demandez plus de talent, écoutez-moi bien, c'est que vous êtes d'accord
de fournir plus d'efforts. Vous ne pouvez pas demander quelque chose d'extra sans réaliser que cette chose d'extra vient avec un sacrifice extra. Si tu veux être un footballeur extraordinaire, comme moi, si tu veux être un footballeur extraordinaire, comme Messi ou Cristiano Ronaldo, ou le joueur de Chelsea qui est à Eden Hazard, qui est maintenant au Real, si tu veux être un basketteur extraordinaire comme moi, comme Michael Jordan, comme Charles Barkley, comme Stephen Curry, comme LeBron James, voilà, je sais, bon, là je vous donne ça cadeau. Mais écoutez-moi bien, si vous voulez être un homme d'affaires extraordinaire, si vous voulez être un footballeur extraordinaire, un athlète extraordinaire, c'est que vous allez devoir faire un entraînement extraordinaire. C'est que vous allez devoir vous restreindre de manière extraordinaire. Là où personne, ou du moins là où les autres personnes ordinaires ne voudront pas faire le kilomètre supplémentaire, quelqu'un d'extraordinaire va le faire. Les gens extraordinaires le sont parce qu'ils payent un prix que les gens ordinaires ne veulent pas payer. Les gens extraordinaires le sont parce qu'ils font quelque chose que les gens ordinaires ne veulent pas faire. Regarde quelqu'un à côté de toi, demande-lui, veux-tu toujours être extraordinaire? Écoutez, le extra visible à l'œil nu cache un extra qu'on ne voit pas à l'œil nu. Quand vous voyez quelqu'un réussir dans la vie, écoutez-moi s'il vous plaît, il y a un prix qu'elle paye. Toujours, c'est plus facile d'être banal, d'être habituel, d'être normal, que d'être extraordinaire. C'est plus facile d'échouer que de réussir. C'est plus facile d'abandonner que de persévérer. Et les gens ordinaires abandonnent. Les gens ordinaires baissent les bras. Une relation de couple ou amicale extraordinaire demande une capacité extraordinaire à pardonner. Quand vous voyez des gens être amis malgré les années qui passent, ne vous dites pas que c'était facile. Parfois, on s'est insulté, on s'est pris la tête, on s'est blessé. Mais ce qu'on a fait qui était extraordinaire, c'est qu'au milieu de tout ça, on s'est pardonné. Vous voyez, des couples restés ensemble, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Je sais que ce n'est pas le cas ici ce matin, mais certaines personnes désire avoir un corps extraordinaire, des tablettes de chocolat, des ventres plats. Je sais que c'est pas ici ce matin. Je sais que ici vous n'êtes pas intéressé par ces choses-là. Je sais que ça ne vous dit pas grand-chose. Un corps svelte, guitare, etc. Je sais que ça ne vous préoccupe pas. Mais juste pour ceux qui ne sont pas venus, que vous allez rencontrer dehors, je veux que vous remarquiez que quand vous voyez quelqu'un avec un corps désirable, c'est que la personne a passé du temps dans une salle de sport, que la personne a fait attention à ce qu'elle mange. Vous savez, moi, ce qui fait que j'hésite à avoir ce genre de corps, c'est le prix à payer. Tu ne peux plus manger tout ce que tu veux. Ce n'est pas les femmes d'ici, mais il y a des femmes qui aiment le chocolat. Ce n'est pas ici. Il y a des femmes qui aiment le chocolat, qui aiment les gâteries, les gâteaux, les bonnes choses avec le sucre et la graisse. Ce n'est pas ici. Et donc, je sais que ces femmes-là, si elles veulent cette silhouette extraordinaire, elles vont devoir accepter de résister à des envies ordinaires, de manière extraordinaire. Regarde la personne à côté de toi encore une fois, demande-lui, veux-tu vraiment être extraordinaire?
Vous savez, les grands noms qu'on cite dans l'histoire, Mahatma Gandhi, Mère Teresa, Martin Luther King Jr., Barack Obama, pour que ton nom soit ajouté dans la liste, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder la vie de ces gens-là. Pas juste ce qu'on voyait parce que c'est le président, parce que pas juste their achievements, pas juste leur succès, mais regarde à ce qu'ils ont dû traverser. Martin Luther King Jr. aujourd'hui est l'un des hommes les plus connus de manière indéniable. Mais il est mort assassiné. Est-ce que véritablement on est prêt à payer le prix de l'extraordinaire, même si ce prix-là c'est notre vie? Je sais qu'on vit dans un pays où on a l'habitude de dire on va encore faire. Mais je vous promets, les gens extraordinaires ne pensent pas comme ça. Les gens extraordinaires ne prennent pas pour excuse le comportement des autres pour justifier le leur. C'est facile d'accuser sa famille. C'est facile de dire que c'est parce que mon père n'était pas là, ma mère n'était pas là, que j'ai la vie que j'ai. Mais quand tu veux être extraordinaire, tu considères que même sans l'accord des autres, tu peux le devenir. Tu ne remets pas ton destin entre les mains des autres. Trois choses dont je veux parler ce matin et qui, de mon point de vue, peut faire de nous des gens extraordinaires. Trois choses. Trois choses que je vous demande de considérer ce matin. Qu'est-ce que l'extra, finalement? Qu'est-ce qui fait de quelqu'un une personne extraordinaire? Est-ce que ça vous intéresse? Parce que quand je vous regarde, je ne suis pas sûr que ça vous intéresse. Est-ce que ça vous intéresse? Si ton voisin ne m'encourage pas, menace-le, dis-lui, qu'est-ce que tu as comme problème? Ça veut dire, encourage le pasteur. Encourage le pasteur, c'est quoi ton problème? Okay. Trois choses. Qui, de mon point de vue, sont cruciales, que vous devez relever, que vous devez découvrir, que vous devez considérer si vous voulez devenir une personne extraordinaire. Moi, je pense qu'on ne n'est pas extraordinaire, on le devient. Certains disent que c'est discutable et je comprends. Bref, trois choses qui peuvent faire de vous des gens extraordinaires. Première chose à considérer, c'est qui vous êtes. Première chose à considérer, c'est qui vous êtes. Qui êtes-vous? Qui es-tu? C'est ton identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Parce que, écoutez, quels que soient vos efforts, vous ne serez jamais quelqu'un d'autre que vous-même. Vous pouvez être une très bonne copie, mais vous ne serez jamais un original si vous ne vous assumez pas. La question que je te pose ce matin, c'est qui es-tu? Pas qui est l'autre, pas qui sont tes parents. Qui es-tu toi? Voilà la réponse que David a à cette question. Il dit, je te loue Seigneur de ce que je suis une merveilleuse créature. Écoute, si tu ne dis pas du bien de toi-même, même si quelqu'un dit du bien de toi, tu croiras que c'est un mensonge. Que la personne veut te flatter. Personne ne fera mieux ta promotion que toi-même. Personne ne t'aimera plus que toi-même en dehors du divin. Mais il faut que tu saches qui tu es. Qui es-tu? L'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. Plusieurs éléments que je veux que tu considères quand on parle de toi. Ce qui, de mon point de vue, détermine qui tu es et qui est important alors qu'on parle du fait d'être extraordinaire, c'est ton unicité. Qu'est-ce qui fait de toi une personne unique? J'ai lu un livre qui m'a fait du bien. Après, je lis un peu ces derniers temps, mais j'ai lu un livre qui m'a fait extrêmement bien. Le livre dit,
Si je veux être, viens, fils, monte. Si je veux être Sim, monte, monte. Tu as fait ça, mis ça, c'est pas possible. Si je veux être Sim, et que je l'observe et que je l'observe, je serai soit un second Sim, ça veut dire qu'on va dire, oh, it's the next him. C'est le prochain Messi. C'est le prochain Maradona. C'est le prochain. Ou je deviendrai le premier moi. Beaucoup, quand on était plus jeune, je sais que ça ne vous est pas arrivé, parce que bon, quand je vous vois, vous êtes des vieux. Mais nous, quand on était... On aimait porter les maillots des footballeurs à renom. Tu t'identifiais quand tu jouais. Tu jouais pieds nus, torse nu, avec un... Bref, avec un slip façon blanc-marron. Donc, tu jouais pendant que tu jouais. Et que quand on t'appelle, tu tenais à ce qu'on t'appelle... Maradona, Ronaldinho, Bebeto, Romario, Ronaldo. Et quand on t'appelait par ton prénom, tu ne passais pas le ballon. Si on ne t'avait pas appelé, oh, Jordan, Jordan arrive. Si on t'avait... Pourquoi? Parce que tu trouvais de la fierté dans le fait de t'identifier à une star. Mais ça, c'est bien dans l'enfance. Sauf qu'à un moment dans la vie, il faut assumer son nom. Il faut assumer son identité. Il faut définir qui on est. Et au lieu de chercher à devenir le prochain Bill Gates, et si tu devenais toi? Merci, Dieu te bénisse. Il est déjà marié. Donc, et si tu devenais toi? Et si tu devenais toi? Prochaine fois, je prends des célibataires. Et si tu devenais toi? Touche quelqu'un et demande, dis-lui, et si tu devenais toi? Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui, et si tu devenais toi? Il n'y aura qu'un seul Aristide Bourdès. Il n'y aura qu'une seule. Il n'y aura qu'une seule toi. Quand Dieu t'a fabriqué, il a brisé le moule. Il s'est assuré qu'il n'y ait plus jamais quelqu'un comme toi. Ce qui fait ton unicité, déjà c'est ton genre, c'est genre, ton genre, gender, how do you say gender in French, c'est ton, ouais mais c'est bizarre en français, ça fait pas swag, c'est ton gender, ça veut dire que, écoute-moi bien, ça va te faire un choc, je sais, c'est pas grave, mais si tu devais être un homme, tu le serais depuis la naissance. Si tu devais être une femme, tu le serais depuis la naissance. Dieu n'a pas fait d'erreur. Bon, je vais dire, la vie n'a pas fait d'erreur. Je vais dire à quelqu'un, écoute. Tu peux porter une robe et tu restes un homme. Hein? Tu peux être plus costaud que moi, costaude. Tu peux être plus costaude que moi et tu restes une femme. Parce que ce qui fait d'abord de toi un homme ou une femme, ce n'est pas simplement tes muscles. Ton absence de muscles, c'est... ton genre. Écoutez, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que c'est important? Suivez-moi. Parce que je crois qu'il y a des choses que les femmes peuvent faire que les hommes ne peuvent pas faire. Malgré toutes les évolutions scientifiques, un homme ne peut pas accoucher. Non, attendez. Poussez. Même cadeau, je refuse. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas. Et je suis convaincu aussi qu'il y a des choses que les hommes peuvent faire, que les femmes ne peuvent pas faire. Si tu as une femme à côté de toi, dis-lui, assume ta féminité. Tu as une femme à côté de toi, dis-lui, tu es une femme, assume. Tu es une femme, assume, tu es une femme. Si tu as un homme à côté de toi, parle avec la basse, dis-lui, assume, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Assume, tu es un homme. La deuxième chose qui, de mon point de vue, fait ton unicité, je suis toujours en train de parler de qui tu es, de ce qui fait de toi qui tu es, ce sont tes dons et tes talents, tes capacités. Écoute,
qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous regardez aux autres et vous convoitez leur vie parce que, ah si j'avais ceci, ah si je chantais comme elle, ah si j'étais capable, ah si j'étais capable. Mais à force de regarder à ce que tu n'as pas, tu perds de vue ce que tu as. Ce qui fait de toi, toi, c'est ce que tu as. Ce qui te vient naturellement. Ce dans quoi tu es bon sans forcer. Certains d'entre vous, c'est votre brain, c'est votre cerveau, c'est votre logique. Vous êtes rapide, vous êtes prompt dans la réflexion. D'autres, c'est votre créativité. Tu es capable de transformer un trou en rat en un palais. Vous avez des doigts de fée pour certaines. Certains, c'est votre capacité à parler. Vous étiez de bons menteurs. Donc si vous changez ça un peu ici, si vous utilisez ça mieux, vous pouvez être des bons commerciaux. Quand tu mens, te crois, c'est que tu es doué, mon ami, tu es doué. C'est pas tout le monde qui peut mentir, c'est pas tout le monde. Oh. Mentir et ne pas être attrapé. Il faut être doué, il faut être bon. Mais si tu l'utilises bien, mais c'est... Donc, certains, c'est votre capacité à parler. Quand vous parlez, vous savez motiver les gens, vous savez emmener les gens. Il y a des gens, vous êtes là ce matin parce que quelqu'un vous a parlé. Si elle ne vous avait pas parlé, vous ne seriez pas venu. Lève la main juste pour que je sache. Bon, non, ne lève pas la main, je blaguais. Il y a des gens, vous êtes venus parce que quelqu'un que vous aimez a utilisé un mot adéquat pour dire, bon, vraiment, s'il te plaît, fais ça pour moi. Une fois seulement. Après, tu peux ne plus venir, mais une fois. Ceux qui prennent des notes, vos dons, vos capacités feront un chemin pour vous. Vos dons, vos capacités feront de vous des gens extraordinaires. Ça fera un chemin pour vous. Toujours dans ce premier point et la dernière chose que je veux citer et qui, de mon point de vue, fait de toi quelqu'un d'unique. My God, ça m'a béni. Ce qui fait de toi quelqu'un d'unique en dehors de tes dons, de tes capacités. Écoutez-moi bien. Ce qui fait de toi quelqu'un d'unique, ce sont tes défauts. Your flaws! Tes défauts font de toi quelqu'un d'unique. Personne ne boude comme toi. Oh! Personne ne se fâche comme toi. Personne ne s'énerve comme toi. Personne. Ta bouderie est légendaire. Ton boudage interplanétaire. Écoutez, ça paraît bizarre quand je dis ça, mais je vais vous expliquer. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Si nos dons feraient un chemin pour vous, if our gift make room for us, nos défauts feraient un chemin pour les autres. Nos défauts créent de l'espace pour les autres. C'est parce que tu as les défauts que tu as besoin de quelqu'un d'autre. Si tu étais parfait, tu n'aurais pas besoin des autres. Si tu étais parfait, tu n'aurais pas de place pour les autres. Et ce sont nos défauts qui permettent que les qualités de quelqu'un d'autre viennent en renfort. Donc, je crois que c'est justement parce qu'on est unique qu'on peut être complémentaire. My God. Ceux qui ont fait un peu de puzzle, vous savez que les pièces s'emboîtent à l'endroit où l'une a un vide et l'autre n'a pas de vide. Mais le problème d'entre vous, c'est que vous ne voulez composer qu'avec des gens qui vous ressemblent. Des gens qui ont exactement les mêmes qualités que vous et donc les mêmes défauts que vous. Un groupe d'amis où vous tous, vous êtes boudeurs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que qui va aider l'autre? Qui va rattraper l'autre quand personne ne sait s'excuser dans votre groupe? Un foyer où le mari et la femme, quand les deux se fâchent.
Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui j'ai besoin de toi. Écoutez, bon là maintenant, si c'est lui qui ne parle pas, chasse-le. S'il ne veut pas te parler, chasse-le. Dis, tu me gaspilles mon espace, tu me gaspilles mon environnement, papa. Your flaws make room for others. La deuxième chose qui, de mon point de vue, peut nous aider à devenir des gens extraordinaires, c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas juste qui on est, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on fait. Dans mes notes, j'ai écrit ce que tu fais avec ce que tu as. C'est ce que tu fais avec ce que tu as. Ce que tu fais avec ce que tu as. J'ai parlé de ce que tu as, de ce que tu es. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as? Et je me rends compte que les gens extraordinaires font quelque chose avec ce qu'ils ont. Ils n'attendent pas d'avoir ce qu'ils n'ont pas. Ils commencent à faire quelque chose avec ce qu'ils ont. Écoutez, je suis désolé, mais personne ne devient grand en un jour. Personne ne devient grand par un coup de baguette magique. La plupart des géants, sinon tous les géants, ont eu un faible commencement. Il y a des gens aujourd'hui dont vous achetez les singles, les albums, qui ne savaient pas chanter. Leur premier morceau était bad. Son premier gâteau était bad. Sa première tenue qu'elle a désignée, design, qu'elle a cousue était bad. Mais au fil des années, elle s'est améliorée. Elle est devenue meilleure. Elle a maîtrisé son art. Aujourd'hui, tu veux lui ressembler, mais tu ne connais pas sa genèse. Tu admires son apocalypse. Avant d'admirer l'apocalypse de quelqu'un, repars à sa genèse. C'est la genèse qui va t'inspirer. La question que je te pose et qui me paraît cruciale, c'est que fais-tu avec ce que tu as? Écoutez-moi bien. Que faites-vous avec ce que vous avez? Tu dis, pasteur, je n'ai rien. C'est pas vrai. Écoute, l'une des choses que tu as et que tu ne vas plus jamais retrouver, c'est le temps. La journée d'hier est passée, tu ne l'auras plus jamais. La journée d'aujourd'hui est en train de finir, tu ne l'auras plus jamais. Voilà pourquoi l'un des tueurs de l'extraordinaire, c'est la procrastination. Remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il y a des gens qui ont regretté de ne pas s'être réconciliés avant que la personne ne parte. Parce que ton orgueil était beaucoup plus grand que ton amour. Tu n'as pas su demander pardon quand la personne était vivante. Maintenant, tu pleures quand elle est partie. Parce que tu n'as pas su utiliser ce que tu avais. Ouvre les écluses des cieux, c'était bien. Je veux que tu comprennes. Que ce que tu as est suffisant pour commencer. Ce que tu as, répète après moi, dis ce que j'ai, est suffisant pour commencer. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui ce que tu as est suffisant pour commencer. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui ce que tu as est suffisant pour commencer. Maintenant, cherche quelqu'un que tu peux gronder, dis-lui, mais ce que tu as est suffisant pour commencer. Écoutez-moi, vous ne seriez pas ici à ce culte ce matin si on avait attendu d'avoir ce qu'on n'avait pas. On a commencé avec ce qu'on avait et vous êtes venus. Et même s'il y a des flaws, même s'il y a des défauts, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas commencé. Donc quand les gens veulent te critiquer parce que tu as fait des erreurs en commençant, il faut que toi-même tu te respectes, parce que les gens qui critiquent souvent ne font rien. Ce sont des gens qui savent parler mais qui ne font rien. Ce sont des gens qui savent critiquer mais qui ne font rien. Je veux saluer ce matin tous les gens qui commencent. Je veux saluer ce matin tous les gens qui n'attendent pas d'avoir autre chose pour commencer. Je croyais qu'ils étaient dans la salle. Y a-t-il des gens
qui sont extraordinaires ce matin. J'ai besoin du batteur, viens. J'ai besoin du batteur et du bassiste. Je vais conclure dans quelques minutes, mais écoutez, moi, my God, I give you praise, I feel him in this place. Je veux saluer les gens qui ont commencé, qui ont échoué, mais que l'échec n'a pas empêché de recommencer. Je veux saluer les gens qui n'ont pas accepté non comme une réponse. Les gens qui ne sont pas restés par terre, mais qui se sont relevés. Où sont mes gens extraordinaires? My God. La première relation n'a pas marché, mais tu n'as pas arrêté. Ah, la première affaire n'a pas marché, mais tu n'as pas arrêté. Ah, oui. Fausse couche, mais tu n'arrêtes pas. Blessure, mais tu n'arrêtes pas. Tu fais confiance à des gens qui te trahissent, mais tu continues à chercher d'autres personnes à qui faire confiance. J'aimerais saluer par des acclamations. Aidez-moi à saluer les gens extraordinaires dans cette maison. Aidez-moi à saluer les gens extraordinaires dans cette maison. Tu ne sais pas qui est à côté de toi, mais j'ai l'impression que tu es assis à côté de quelqu'un d'extraordinaire. Donc tourne-toi vers ton voisin et acclame-le. Dis-lui, je te félicite pour ne pas avoir abandonné. Je te félicite. Alléluia. Prenez place 30 secondes, je vais conclure sous peu. Que fais-tu avec ce que tu as? Écoutez, que fais-tu avec ton temps? Que fais-tu avec tes dons? Que fais-tu avec l'environnement dans lequel tu as été placé? Que fais-tu de tes défauts? Que fais-tu avec tes défauts? Vous savez, certaines personnes prennent leurs défauts et s'enorgueillissent. Le complexe de supériorité est en fait un complexe d'infériorité. Ce que la personne met devant ses capacités, ses talents, ses qualités, parce qu'elle a honte de ses incapacités et de ses faiblesses. Mais quand tu t'assumes, tu sais que tu n'es pas parfait. Et c'est pour ça que tu cherches quelqu'un qui va t'aider à t'améliorer. Tu acceptes les remarques, tu acceptes les reproches, tu acceptes les critiques. J'ai découvert que quand on parle, on fait étalage de son savoir. Mais quand on écoute, on acquiert le savoir de la personne qui parle. C'est pour ça qu'on a deux oreilles et une bouche, parce qu'on doit écouter deux fois plus qu'on ne parle. On doit parler moins qu'on écoute. Tout le monde a un talent au minimum. Personne ici et sur Internet, personne n'a rien. Tu as quelque chose. Vous me voyez debout devant vous aujourd'hui. Je suis en train d'arriver à la fin de mon temps, mais vous me voyez debout devant vous aujourd'hui. Il y a quelques années en arrière, en plusieurs années en arrière, si on m'avait dit que ça aurait été le cas, j'aurais dit jamais. Parce qu'en classe, tout ce qui est exposé en public, jamais. Je perdais mes moyens. Je pensais, j'étais le cerveau du groupe, celui qui travaillait. Et puis il y avait quelqu'un d'autre, ou les autres qui n'avaient pas travaillé, qui venaient parler de ce que j'ai fait la nuit. Ah, et donc, tenir devant les gens, je tremblais. Réciter, récitation, poésie. C'est horrible. Je me rappelle à 15-16 ans, la première fois que j'ai lu les annonces ont duré 5 minutes, mais la première fois que j'ai lu les annonces, j'ai eu le vertige, la nausée, j'ai failli m'écrouler. C'était la première fois que j'étais debout devant les gens, je croyais que j'allais mourir. Je disais au sol, ouvre-toi, je veux partir. J'ai prêché aux États-Unis pour la première fois en anglais, j'étais déjà à l'école biblique, j'avais déjà prêché au Gabon, mais c'était la première fois que je prêchais dans une langue étrangère, en anglais. Je devais prêcher un message et c'était 10 minutes. Tu devais donner 3 points, 3 illustrations et faire une conclusion, intro, conclusion. Et je me rappelle, la salle était beaucoup plus grande que celle-là, On était 5 dans la salle, climatisation centralisée. J'étais en costume, sans cravate. J'ai parlé. Quand j'ai parlé 10 minutes, j'ai donné mes 3 points. Mon examinateur a regardé mes notes parce qu'il avait une copie. Et il a dit en anglais, j'ai l'impression que tu as volé le message là.
Parce qu'il dit, le message est trop bien. Il dit, le message écrit était trop bien. Les points, les trucs. C'est moi qui ai écrit mon message. Mais comment, how I delivered it? Comment je l'ai rendu? Le gars, il dit, il y a une dichotomie. Ce n'est pas possible. C'est, on dirait que ce n'est pas la même personne qui a écrit. Donc, il me dit, c'est sûr que j'ai pris le message d'un prédicateur à la télé. Dans une certaine mesure, je me sentais fier parce que mon message était un message qui ressemblait à un prédicateur de la télé américaine. Mais en même temps, j'étais très mal en point. Parce que ça veut dire que la façon dont j'avais parlé. Et là, seul, je vous promets, Dieu est toujours témoin, mais Dieu était là aussi. J'ai commencé à transpirer comme jamais. À tel point que ma veste, c'est-à-dire, vous savez que la sueur vient du corps, non? Donc ça traversait mon tricot, ça traversait ma chemise, ça traversait ma veste. On est dans une salle climatisée. On est 5 dans la salle. Mais le stress fait que la fraîcheur disparaît. Mon corps, quand je suis sorti de là, je croyais que j'allais mourir, mais quand je suis sorti de là, on m'a donné une note. Mais quand je sors du bâtiment, je me dis, mais pourquoi j'ai eu peur? J'ai dit, it's the last time, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Oh. Aujourd'hui, en anglais, en espagnol, en chinois, en langue, je vais prêcher Jésus. Allez, que tu m'aimes pas, je vais prêcher. I was born for it, I was made for it. Tout le monde a des dons, tout le monde a des défauts. Qu'est-ce que tu fais avec tes défauts? Dépend de toi. La dernière chose, premièrement, j'ai dit qui tu es. Ce que tu fais. Et la dernière chose, c'est qui tu as. Quels sont les gens que tu as? Le extra de extraordinaire peut être une relation. Quelqu'un peut devenir extraordinaire parce qu'il a rencontré quelqu'un d'extra. Avec qui est-ce que tu traînes? Avec qui est-ce que tu mingles? Avec qui est-ce que tu passes du temps? Tes relations doivent être des relations qui te poussent vers l'extraordinaire, qui te sortent de la norme. Et je ne peux pas ne pas parler de ça sans vous faire remarquer que de mon point de vue, le extra des extras, du commencement à la fin, celui qui est capable de rendre quelqu'un de banal en quelqu'un d'extraordinaire, c'est Dieu, c'est le divin, c'est Christ, c'est Jésus. C'est la relation des relations à avoir. Certains d'entre vous, Bill Gates vous fait une demande d'amis. Bill Gates te dit, je veux marcher avec toi. My God, certains d'entre vous, votre vie va changer. Pas tous, parce qu'il y en a, même si Bill Gates veut marcher avec toi, ça va pas changer ta vie. Non, la personne n'est pas ici. Donc bref, c'est parce que, écoutez, parce que je me suis rendu compte que vous pouvez avoir quelqu'un d'extra avec vous, mais le regard que vous avez sur lui le diminue à vos propres yeux. Qui sont tes relations? Qui sont tes amis? Qui sont tes fréquentations? Est-ce que les gens avec lesquels tu parles, tu papotes, tu partages, tu sors, est-ce que tes proches, est-ce que tes amis, ce sont des gens avec lesquels tu peux rêver? Vous savez, il y a des amis, quand ils rentrent dans vos vies, des personnes, quand ils rentrent dans vos vies, ils vous font lever la tête. Ils vous font voir les étoiles. Il y en a d'autres, quand ils rentrent dans vos vies, ils vous font baisser la tête. Ils vous font compter les grains de sable. C'est fréquent qu'on dise depuis qu'elle l'a rencontré, sa vie a changé. Mais parfois, on ne dit pas ça en bien. On ne te reconnaît plus. Oh, tu es bizarre. Puis il y en a d'autres quand vous les rencontrez. Tu étais un brigand de grand chemin. Mais parce que tu l'as rencontré, elle, ça a changé ta vie. Qui est devenu meilleur à cause d'une relation? Je veux juste être sûr que je suis au bon endroit. Une relation t'a amélioré.
Est-ce qu'on peut être reconnaissant pour les gens bien dans nos vies? Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut être reconnaissant pour les gens bien dans nos vies? Les gens bien, les gens qui nous ont rendus meilleurs, les gens qui ont fait de nous de meilleures personnes, des personnes extraordinaires. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour les gens qui ont fait de nous des gens extraordinaires? Dieu, tes amis, ta famille, mais une catégorie que je ne veux pas laisser ce matin. Mon temps est écoulé, mais je veux dire à quelqu'un ceci, c'est important, c'est crucial. J'y crois dur comme fer. Une des relations que je chéris, une des relations que je chéris et qui, de mon point de vue, est nécessaire, Tanjane, pour que je sois quelqu'un d'extraordinaire, ce sont mes ennemis. Écoutez-moi. Ce sont ceux qui parlent mal de moi, ceux qui me critiquent, ceux qui me congossent, ceux qui cassent du dos derrière mon, ceux qui cassent du sucre derrière mon dos. Et je vais vous expliquer pourquoi ces gens-là, je suis reconnaissant. J'attends le moment avec impatience où, je ne peux pas vous dire ça, mais j'attends quand même un moment où quelqu'un, parce que je vois en attaque certains hommes de Dieu, on dit c'est un sorcier, c'est un franc-maçon, et puis moi depuis on ne dit pas ça. Vraiment, il a bu le sang humain parce qu'il fait des miracles. On dit non, j'attends le jour où quelqu'un va se lever pour dire que vraiment tu es dans la loge. Ce jour-là, authentique, sur Facebook ou Insta. Oh, je ne vais pas le delete. Je vais écrire, je vais dire merci. Que Dieu te bénisse. Non, parce que vous savez, il y a des gens quand ils vous attaquent, c'est la preuve que vous avez changé de catégorie. Oh. Il y a des gens quand ils vous attaquent, vous savez qu'on n'attaque pas les petits. Vous savez qu'on ne jette pas des pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Donc si on t'attaque, c'est que tes ennemis disent que tu as assez de valeur pour qu'ils dépensent leur temps sur toi, pour qu'ils dépensent leurs paroles sur toi. Je croyais que quelqu'un allait comprendre ce matin. Je suis en train de te dire. Ça ne vous est peut-être pas arrivé. Mais il y a des gens dans la vie qui nous ont poussés à sortir de notre zone de confort. Par leurs attaques, par leurs mauvaises langues. Quelqu'un te dit, jamais tu ne seras. Toi, jamais tu ne peux pas. Quelqu'un même va très loin. Je jure, aussi longtemps que je suis en vie. Mais il y a deux possibilités. Soit tu meurs et puis je réussis. Soit tu restes en vie et tu me vois réussir quand même. L'échec n'est pas une possibilité pour ma destinée. Et je veux que vous réalisiez que c'est parce qu'il y a des gens qui vous ont dit que vous ne pouvez pas. Vous étiez sur le point d'abandonner. Vous étiez sur le point de dire je laisse tomber. Mais il y a quelqu'un qui a fait la bouche sur ton histoire. Et tu t'es dit, ah, non, j'allais laisser, mais mon orgueil. Parce que c'est toi qui as parlé. Oh, je vais te montrer que je vais réussir. Je vais te montrer que je vais y arriver. Je vais te montrer. Can I prophesy? Laissez-moi prophétiser. Je prophétise sur ta vie que tes ennemis te verront réussir. Ceux qui ont parlé contre toi salueront ton succès. Je veux dire à quelqu'un ce matin sous le son de ma voix. Si tu veux être extraordinaire, accepte de faire le kilomètre supplémentaire. Accepte de payer le prix supplémentaire. Accepte l'extra. C'est dans cette logique que tu dois venir tous les dimanches au culte extraordinaire. Bien sûr, parce qu'il y a des choses que tu vas entendre ici que tu n'entendras nulle part ailleurs. Parce qu'il y a des gens que tu vas rencontrer ici que tu ne rencontreras nulle part ailleurs. Parce qu'il y a une atmosphère dans cette maison qu'il n'y a nulle part ailleurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire merci à Dieu par des acclamations, par des cris de joie ?